On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la première édition du Salon du collectionneur. Ça va se tenir ici même dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça a l'air qu'il y en a un petit peu partout au Québec et qu'il n'y en avait pas ici. Et parmi les organisateurs, il y a Maxime Bélair, qui est un grand collectionneur, qui a décidé de s'impliquer avec son beau-frère Sylvain Ayotte. Et c'est une grosse affaire, là. Ils font ça le 14-15 mai au Colisée Isabelle Brasseur. Là. C'est une grosse affaire. Il reste encore des kiosques disponibles. On va les recevoir dans quelques instants, vers la moitié de l'émission. Mais d'abord, vous savez que le 8 mars, c'est la Journée internationale des femmes. C'est un mardi. Donc, deux jours avant, le dimanche 6 mars, au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean, c'est la journée qui est organisée par le Centre de femmes du Richelieu. Et il reste encore quelques jours pour les appels de candidature des personnalités féminines et de la bourse Carrie Doric. Comme à chaque année, le Centre de femmes du Haut-Richelieu organise la Journée internationale des femmes, qui cette année, oui, c'est le 8 mars, mais comme le 8 mars est un mardi, l'événement proprement dit, lui, va se tenir le dimanche, donc le dimanche 6 mars, au Centre culturel Fernand Charest, ou si vous préférez, le Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean. Pour parler un peu de ce qui va s'y passer, avec nous, Pierrette Marcotte. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Évidemment, donc là, nous, on est fin janvier, début février. C'est le moment où vous êtes... Est-ce que vous êtes encore en appel de candidature pour la personnalité ou les personnalités féminine? Oui, en fait, c'est jusqu'au 8 février, on reçoit en fait les dossiers de candidature pour deux catégories. L'une qui est pour femmes, affaires et professions et milieu communautaire. Donc, même chose aussi pour la bourse Carrie Doric qui va être décernée par Mme Samson, la députée d'Iberville. Donc, les deux concours sont en fait déjà lancés. Donc, la date limite pour les appels de candidature... 8 février. C'est vraiment le 8 février. Est-ce que vous avez déjà reçu les candidatures? On commence. Il n'y en a pas beaucoup. On aimerait s'en avoir plus, effectivement, pour la personnalité féminine. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'on les reçoit à la dernière minute. Alors, on ne sait jamais comment ça va se passer, mais là, on incite, on veut vraiment, en fait, faire en sorte que les femmes puissent être plus nombreuses à poser leur candidature. Même si ce n'est pas tout le monde qui va être honoré du titre, nous, on fait un effort quand même pour promouvoir ce que les femmes font, que ces femmes font dans la communauté. Bon, drôle de question, mais comment ça fonctionne? Est-ce que les gens peuvent soumettre leur propre candidature ou est-ce qu'on le fait par personne interposée? Les deux façons sont bonnes. Pour ce qui est des personnalités féminines, on peut soumettre sa propre candidature comme quelqu'un d'autre peut le faire. On a dans les critères d'admissibilité, en fait, certains critères. Donc, les femmes doivent soit demeurer dans la région de la MRC du Haut-Richelieu ou y œuvrer en tant que professionnelles ou même si elles sont impliquées dans la communauté. Donc, ça, c'est le premier critère, s'assurer que c'est des femmes qui sont présentes et qui ont un impact dans notre région. Et est-ce qu'on peut faire une surprise à quelqu'un et soumettre sa candidature sans qu'elle le sache? Ça, on a déjà fait ça. Mais c'est pour ça que je pose la question. On a déjà fait ça, sauf qu'on s'est fait prendre un petit peu. Alors, ce qu'on demande, c'est que la personne accepte, parce qu'il y a des femmes qui sont tellement gênées qui, même si leur candidature est déposée, pourraient à la limite refuser. Puis aussi, c'est pour nous assurer, comme nous, on recueille de l'information pour les jurys qui vont faire la sélection, s'assurer que la candidate valide les informations qui sont données par la tierce personne. Donc, habituellement, on aimerait bien ça faire des surprises, mais on pense que c'est mieux de travailler en collaboration avec la personne. Et là, depuis quelques années, vous me corrigerez, mais quand on arrive à cette journée-là de célébration, là, cette année, le dimanche 6 mars, il y a comme une mise en candidature. Donc, il y a quelques candidates qui sont là, et là, il y a un choix qui est fait. Mm-hmm. Donc, et c'est pas fait à l'avance. Là. Je veux dire, c'est pas une seule personne qu'on honore le dimanche comme tel, mais on dit, bon, il y a trois candidates dans telle catégorie, hein, c'est ça? Bien, en fait, c'est que si on a plusieurs candidates qui déposent leur candidature, on les met en évidence. Donc, on nomme les candidates en lice, on fait la promotion de leur contribution à la communauté. Donc, les candidates en lice sont connues le jour même. Et puis, le dévoilement se fait durant l'événement. Et le dévoilement. Autant pour, donc, la personnalité d'affaires et professions que celle du milieu communautaire. Oui. C'est important pour vous aussi de faire la distinction entre les deux aspects, le milieu communautaire et le milieu professionnel? Oui, parce que dans le milieu professionnel, en fait, il y a beaucoup de femmes qui ont ouvert des portes. Hein? Alors, on veut, en fait, faire la démonstration qu'il y a des femmes qui ont réussi
à prendre leur place dans des milieux qui ne sont pas nécessairement faciles au niveau professionnel, puis qui ont aussi contribué à ouvrir des portes pour d'autres femmes dans ces milieux-là. Dans le milieu communautaire, mais c'est la même chose, en fait, c'est de voir comment les femmes ont contribué à améliorer les conditions de vie des femmes, puis à faire avancer aussi l'égalité en hommes-femmes de façon pratico-pratique là, sur le terrain. On dit souvent que c'est un peu peut-être l'héritage judéo-chrétien, mais les Québécois, quand il s'agit de succès ou d'argent, des fois, on est un peu gêné, mais on dirait que chez les femmes, on dirait que c'est encore une petite coche de plus. On dirait que des fois, les femmes sont un peu gênées de se mettre en évidence, ou même je suis convaincu qu'il y a des gens qui disent « Hey, je pourrais soumettre ta candidature. Non, 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 fais pas ça, je mérite pas ça, etc. » Donc, c'est difficile. Oui, tout comme c'est difficile aussi de les approcher pour prendre des postes décisionnels parfois au niveau de la politique et tout ça. Il y a effectivement, on a un chemin à faire là-dedans. C'est pas pour rien qu'il y a l'effet A qui a été mis sur pied, en fait, pour encourager les femmes à ne pas avoir, en fait, de sortir de notre fausse modestie, en fait, pour faire en sorte qu'on prenne notre place et puis qu'on peut être une femme d'affaires, mais ça ne nous enlève pas notre humanité parce qu'on est une femme d'affaires. On peut quand même contribuer au mieux de sa communauté. À chaque année, évidemment, nous, les personnes que vous choisissez, on les reçoit en entrevue. Puis dans certains cas, je me rappelle, je n'ai pas un nom en tête, mais dans certains cas, les disent « Bon, félicitations, vous avez gagné, bravo. Oh oui, mais là, vous savez, c'est quand même pas… Hein, » c'est tout, c'est comme si on dit « Non, 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 écoutez, là, je ne sais pas trop pourquoi ils m'ont choisi là. » Bon, on dit « Oui, merci, c'est gentil, mais on sent qu'on veut comme réduire la portée. » Je dis « Ben non, j'ai dit, profitez-en, là, vous êtes personnalité féminine de l'année. » Tout à fait, mais ça, c'est le phénomène de la socialisation des femmes fait en sorte que ça prend du temps à changer, ce schéma mental-là. Parce que c'est ancré, en fait, dans notre éducation depuis... depuis fort longtemps. Oui. Bon, l'autre aspect aussi de cette journée, outre les deux personnalités féminines qu'on va dévoiler, il y a la bourse Carrie Doré. Bon, ça, c'est super intéressant parce qu'encore là, je les reçois aussi en entrevue. Donc, c'est généralement des jeunes femmes qui étudient dans des domaines de sciences naturelles. Oui, même en fait, tous les programmes de sciences sont admissibles. En fait, pour nous, c'est encore une fois, c'est pour favoriser l'engagement des jeunes filles envers les sciences, les encourager à pouvoir poursuivre leur étude dans un domaine. Ça peut être aussi dans les technologies, sciences, technologies. Donc, c'est assez varié. Là. Ça peut être en biologie. Dernières années, je me rappelle, il y avait une jeune fille de l'Acadie là, qui, je pense, avait à peine 19 ans. Et voulait devenir médecin. Donc, on voit un peu le genre. Là. Oui. C'est super intéressant comme mise en valeur, ça, pour les jeunes filles. Oui, tout à fait. Puis même, on a eu une mathématicienne qui travaille aussi au niveau de la génétique. Donc, en fait, pour nous, c'est important, encore une fois, d'encourager les femmes à s'investir dans ces milieux-là. Puis, c'est une bourse de combien? C'est 1 000 quand même. C'est 1 000 oui. Quand on a 18, 19, 20 ans, ça se prend bien. Ça donne un petit coup de pouce. Quand on est aux études. Oui. Et de mémoire, vous me corrigerez, mais bon, initialement, c'était quoi? C'était la députée d'Iberville, Marie Bouillet, qui a, du Parti québécois. Hein, avec qui on a, en fait, lancé ce concours-là pour commémorer Carrie Derek, qui est une pionnière, en fait, féministe, qui vient de Clarenceville. Ouais. Et c'est la première femme qui a obtenu un poste dans une université au Canada. Donc, on est dit, ben, c'est une valeur patrimoniale qu'il faut mettre de l'avant ici. Bon, aussi. Et là même, après la défaite de Marie Bouillet aux élections, qui a été remportée par une autre femme, Claire Samson, qui représente la coalition Avenir Québec, la CAQ. Donc, ça n'a pas été très compliqué de convaincre Mme Samson de poursuivre la tradition. Pas du tout. Je crois que ça, au-delà des allégeances politiques, je pense qu'il y a en fait unanimité à cet égard-là. C'est qu'on a encore du chemin à faire pour faire en sorte que les femmes prennent leur place à part égale dans toutes les sphères de la société. Donc, pour les jeunes filles qui étudient dans les sciences, bourse de 1 000 Carrie Doré, donc jusqu'au 8 février pour soumettre les candidatures. Même chose également, personnalité féminine, affaires et professions ou milieu communautaire. Bon. Autre annonce également qui concerne des ateliers de cuisine collective pour les 13 ans et moins. Qu'est-ce que c'est? En fait, cette année, on veut faire quelque chose de spécial. Le thème de notre journée qui va avoir lieu le 6 mars, c'est « Être femme en 2016 ». Et notre comité a voulu souligner aussi, faire en sorte que cet événement-là soit intergénérationnel. Alors, on a interpellé, en fait, on a fait un remis-ménage, en fait, pour voir comment on pouvait
en fait, favoriser la participation des jeunes mères qui ont des enfants à notre événement. Étant donné que c'est un dimanche après-midi, c'est beaucoup plus facilitant, en fait, pour les familles d'y participer. Et comme c'est un événement qui est assez protocolaire, amener ses enfants, ça peut être un petit peu, pas très intéressant pour eux. Donc, nous, comme on a un programme de cuisine collective, on va faire l'animation d'une cuisine pendant l'événement avec les jeunes de 13 ans et moins qui voudront participer, dont les parents voudront venir et les amener plutôt que de les faire garder. Il va y avoir, les jeunes vont en fait faire une collation qu'ils vont distribuer eux-mêmes à l'entracte de l'événement. Donc, on incite aussi les familles à s'impliquer, à venir inscrire leurs enfants. Alors, il va y avoir des billets gratuits pour cette activité-là. Ils ont juste amené leurs enfants à 14 heures. On va les accueillir et pendant que tout ça se déroule, les enfants seront à cuisiner en bas avec nos animatrices. Bon, parlez-nous justement de l'activité parce que là, on parle de dévoilement de personnalité, de bourse et tout ça. Là, on parle des ateliers. Mais en même temps, cette journée qui est festive, qui célèbre la Journée internationale des femmes, qui est le 8 mars, mais je le rappelle, l'événement est le dimanche 6 mars en après-midi. 14 heures. À 14 heures, au cabaret théâtre du Vieux-Saint-Jean. Donc, les gens peuvent participer, assister à cette journée-là. Là. Ils peuvent participer, puis on a fait en sorte cette année que, en fait, on s'est investi à faire une animation assez spéciale. En fait, parlant d'intergénérationnel, on va avoir une jeune animatrice qui vient en fait de la région, qui est Manuel Alix Surprenant, qui est une jeune de la région. Oui, c'est oui, ça. C'est ça. Qui... Pouvez-vous répéter? Manuel Alix Surprenant. C'est bien, merci. Alors, on l'a invitée parce que, bon, premièrement, elle est de la région. Elle a fait ses études en communication. Elle est vraiment un bel exemple de jeune femme qui s'implique socialement, en fait, qui a une implication citoyenne importante. Donc, elle va venir animer notre événement. Et la particularité de cette jeune femme-là, c'est qu'elle est très, très impliquée, en fait, au niveau... en fait, ce qui l'interpelle beaucoup, c'est la participation des jeunes, des jeunes filles, des femmes et aussi des minorités visibles dans les lieux décisionnels. Alors, elle sera là pour animer tout l'événement. On a aussi, comme artiste invitée, Marianne Prairie, qui est si vous connaissez les Moquettes Coquettes, elle faisait partie de ce groupe, donc elle va venir faire une prestation. On a aussi mobilisé des gens de la communauté, donc il y aura la chorale du clocher de Sabrevoix qui va participer à ça. Et on a des petits jeux aussi à faire avec l'auditoire durant toutes ces prestations-là, toujours dans le but de faire notre bilan annuel, hein, où on en est rendu les femmes en 2016 et qu'est-ce qu'il reste à faire comme chemin, mais de le faire de façon ludique. Donc, on espère bien que les gens vont venir jouer avec nous. Et là, qu'est-ce qu'on vous souhaite en 2016? Un local? Parce que un local qui va faire en sorte qu'on puisse poursuivre nos activités avec l'espace dont on a besoin et puis pour accueillir le plus grand nombre de femmes dans nos activités. Dimanche 6 mars, 14 heures, Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean. Donc, c'était donc le dévoilement des activités pour cette Journée internationale des femmes 2016. Je voudrais ajouter que les billets seront en vente au Centre des aînés, au bureau 2, à compter du 1er février. Au coût de? En pré-vente, en fait, c'est de 15 $ pour adultes. On a un prix étudiant de 10 $ Et puis, pour les enfants de 13 ans et moins qui souhaitent participer à l'événement, c'est 5 $ Alors, en pré-vente, on encourage les gens parce que les prix vont augmenter sur place. Merci beaucoup. Merci à vous. Restez avec nous. Au retour, on vous parle de la première édition du Salon du collectionneur, un événement qui va se tenir au mois de mai.
Il y a un article dans le Canada français du jeudi 21 janvier qui a attiré mon attention de Myriam Touga-Duménil. C'est un premier salon du collectionneur à Saint-Jean. J'ai fait comme c'est quoi cette affaire-là? Et je ne connaissais pas ça du tout, du tout. Il semble qu'il y en a ailleurs au Québec, mais qu'il n'y en a pas ici chez nous. Et c'est les 14 et 15 mai. On est un peu en avance, mais c'est normal aussi, il faut le préparer. 14 et 15 mai de 10h à 17h au Colisée Isabelle Brasseur à Saint-Jean. Nos deux invités, les organisateurs, d'abord Maxime Bélair. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Accompagné de Sylvain Ayotte. Bonsoir et bienvenue. Salut. Bon, expliquez-nous tout d'abord d'où vient l'idée d'avoir un salon du collectionneur, Maxime. Ben, en fait, moi, depuis toujours, je suis dans le monde des collections. J'admire l'histoire, collectionner un peu de tout. Là. Je suis vraiment dans le sport, dans le jouet, dans le jeu vidéo, la vie advertising. J'aime vraiment tout ce qui est monde de collectionneur. C'est sûr qu'en étant fanatique, mais je les visite. Je visite les salons, je visite les expositions un peu partout au Québec depuis toujours, depuis que je suis tout petit. C'est une histoire de famille un peu aussi, là, pas se cacher. Mais en fil en aiguille, veux pas, t'entends les gens parler, tu sais, dans les foules, on jase. Ah, il y en a beaucoup à Montréal, il y en a beaucoup dans le coin de Québec, il y en a beaucoup un peu partout, sauf ici, tu sais. Fait que c'est vraiment là qu'est venue l'idée là, de dire, ouais, faudrait. Ça fait plusieurs années, là, quand même, que ça mijote. Puis là, on en a parlé sérieusement. Moi, puis c'est mon beau-frère, en réalité, Sylvain. Puis il m'a dit, hey, on pourrait mettre ça en exécution. Puis c'est très comme ça que ça a commencé. Et Sylvain, comment le rêve arrive à la réalité? Ben moi, vois-tu, depuis quelques années, je n'entends parler. Puis il n'y avait pas tant d'implications que ça. Puis d'un coup, on a parlé. Puis ça a donné que je dis, tiens, regarde, on va te chapeauter, puis on va y aller. Il y a de l'air à en parler. Puis c'est quelque chose que j'aime moi aussi depuis bien des années. Puis, vois-tu, on a quasiment au-dessus, pas loin de 20 années de différence qui nous sépare. Fait que j'ai déjà vu bien avant. Hein? Puis, on a commencé à se faire des petites collections de monnaie, des affaires comme ça ensemble. Okay. Puis, en fin de compte, un salon. Hein? Je garde, je dis, on va mettre ça de l'avant. Puis, en fin de compte, on a fait des démarches, puis ça avance assez. Quand tu dis qu'il y a beaucoup de salons à travers le Québec, un salon du collectionneur, ça ressemble à quoi quand tu rentres là? Bien, il y a beaucoup de types de salons. C'est sûr qu'il y en a un vaste là, univers. T'en as qui vont se spécialiser dans un domaine précis. Comme exemple, je vous donne une exposition ou un salon de jouets. Là, ça va être seulement des vendeurs de jouets. Un salon de monnaie ou de timbre. Ou de jeux vidéo. Il y en a que c'est par thématique. C'est par thématique, c'est ça. Il y en a d'autres qui vont y aller plus au niveau bazar. Ça, c'est plus généralisé. Toutes sortes d'affaires, c'est un peu mêlé. C'est très généralisé. Puis il y a des salons. Il n'y en a pas énormément faits de cette façon-là. Il y en a quelques-uns qui vont, eux, se spécialiser un peu comme les thématiques que je parlais. Mais ils vont tous les regrouper dans un même salon pour attirer le plus de gens possible, dans plus d'univers possible. Bon, et là, ici, pour le projet du premier salon du collectionneur à Saint-Jean, qu'est-ce que vous visez comme type de salon? Bien, là, c'est vraiment un salon, premièrement, pour tout. Moi, c'est sûr que on veut se démarquer un peu aussi. Parce que souvent, les gens vont penser, ah, salon collectionneur, c'est sérieux. Les gars, ils rentrent, ils achètent, ils veulent chercher leurs pièces. C'est pas tout à fait ça, là. On peut avoir du plaisir dans un salon de collectionneur. Dans notre cas, on a les cosplayers qui appellent en anglais. Ça, c'est des gens qui vont se déguiser, un peu comme le Comic-Con là, qui est connu. Là. Ouais. On va emmener des gens comme ça. On va avoir des comédiens de l'Hôtel 54. Oui, c'est des bons amis à nous, ça. Fait qu'ils vont participer, se mêler aux gens. Okay. Même chose que les cosplayers. On va faire des tirages pour les enfants parce qu'on va attirer les familles aussi. On veut mettre ça plus familial. Très familial. Aussi, contrairement à d'autres. Vraiment attirer la famille. La famille le plus possible.
Puis on a, la séance d'autographe du Pont-Fort qu'on a réussi à avoir avec Francis Bouillon, qui va attirer encore là des jeunes amateurs autant que des vieux. Et là, vous visez gros parce que vous tenez ça pas d'une salle paroissiale. Vous êtes au Colisée. Là, je comprends qu'on est au mois de mai, donc la glace est fermée. Mais c'est quand même une grosse affaire. Comment l'idée du Colisée est arrivée dans le portrait? Bien, moi, j'étais un habitué. Vu que je suis dans le monde du VR, dans le véhicule récréatif, j'ai fait souvent les expositions au Stade olympique. Fait que des projets d'envergure comme ça, j'en ai fait. Parce que c'est moi qui s'occupais d'un gros kiosque pour un concessionnaire de la région. Pas le nommer, bien Rémillard. Fait que ça, je disais à Maxime, j'ai écouté. Ça nous prend une aréna. J'ai dit, tant qu'à commencer, non, moi, c'est plus l'image que ça projette. Les gens se sentent plus en confiance à ce moment-là. Tu fais pas, tu sais, c'est pas bric-à-brac. C'est vraiment, là, des installations adéquates, puis tout ça. Puis vu qu'on veut viser la famille, on voulait avoir de quoi que les gens sont habitués de voir. Et là, l'espace de la patinoire vous permet d'avoir une centaine de kiosques. Là, vous avez déjà, vous en avez déjà plusieurs de bouquets. Au-dessus de la moitié, C'est quoi? C'est 100 $ par kiosque pour deux jours? La moyenne, oui. La moyenne, selon la grosseur, on s'entend? C'est ça. Ça comprend le Wi-Fi, l'électricité, puis les services de surveillance puis de sécurité. Sécurité ainsi qu'un même un service de... Donc, il y a déjà la moitié qui est bouquée à ce temps-ci. À cause des connaissances puis les gens qu'on connaît depuis un bout. Et là, on dit que là, vous lancez un appel aux collectionneurs, figurines, bandes dessinées, jeux vidéo, cartes, monnaies, antiquités, enseignes, jouets, vinyle, articles de sport, etc., etc. Oui. Donc là, vous lancez un appel, parce que là, il vous reste encore la moitié des kiosques à combler. Puis là, ça peut venir de partout, ça, là. Partout. Oui. Déjà, en ce moment, je dirais que la plus grande partie vient de partout, sauf d'ici. Tu sais, Québec, les Laurentides, l'Estrie... C'est peut-être un réflexe à développer ici, là. Oui. Parce que les collectionneurs, ils doivent en avoir aussi derrière. Il y en a énormément. Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est un beau bassin de collectionneurs, en plus de toutes sortes de choses, là. Fait que, on veut justement avoir des amateurs du coin, là, dans les kiosques, c'est sûr. C'est ça, c'est préférable. Mais d'après moi, vu qu'il n'y a pas de salon déjà dans la région, c'est les gens n'ont pas porté intérêt immédiatement, mais probablement... Là, on finit les fêtes, ces choses-là. Comme je disais à Maxime, c'est sûr, les fêtes viennent de finir. Là, on met de l'emphase, puis on va aller chercher l'autre moitié qu'on a de besoin. C'est quoi, toi, ta plus grosse collection ou celle que tu aimes le plus? Moi, j'aime l'univers. Je t'ai dit, j'étais un... C'est la question, fallait pas que je pose. J'étais un drôle de... En bon québécois, j'étais un drôle de moineau là, dans le milieu parce que moi, j'ai à peu près collectionné tout. Je veux dire, quand je m'attache à quelque chose, c'est que j'aime apprendre. Okay. Fait que quand je connais pas quelque chose, il faut que j'apprenne. Puis la meilleure façon d'apprendre, c'est de collectionner. Parce que là, il faut que tu te plonges dans l'univers, d'apprendre l'histoire de chaque pièce. Okay. Puis, là, tu as quoi? Tu as des collections dans le monde du sport? Moi, en ce moment, personnellement, ce que j'ai gardé, j'en ai beaucoup dans le monde du sport. Tu as quoi comme objet pour le fun? C'est quoi? C'est des chandails? Jean Béliveau, Maurice Richard. Des pièces signées, mais j'aime beaucoup les items qui ont touché l'histoire. Par exemple, une de mes préférées, j'ai des pièces, exemple, qui vont toucher des bagues de championnat, mettons, de la Ligue Junior dans les années 50. Avec des photos d'équipe, des pièces qui touchent vraiment l'histoire précisément d'un accomplissement sportif ou autre. Mais c'est sûr, je suis dans les figurines anciennes, dans la monnaie, dans les vieilles cannes d'huile. C'est-tu comme un musée, finalement? Ça ressemble à ça? Vous, Sylvain, avez-vous des collections? Bien, moi, c'est de l'automobile. Okay. J'ai eu plusieurs automobiles. Là, j'ai commencé à m'en départir un peu. Mais il manque de place dans le garage. Mais j'ai quelques belles pièces, autrement dit, là, que c'est pas des collections là, comme une carte collection de hockey, de cartes. C'est des pièces là, uniques. Mais là, pour votre événement, vous souhaitez aussi avoir peut-être des voitures anciennes? Oui, c'est en pourparler. On devrait discuter de ça cette semaine. Là, on devrait finaliser ça cette semaine pour dire oui.
C'est juste l'organisation là, qui nous arrête un peu, parce qu'on a eu la confirmation. Vous auriez l'espace avec le stationnement. Forcément. Exactement. Il y a de l'espace en masse, là. Parce qu'en même temps, des regroupements de voitures anciennes, il y en existe, là. C'est des événements, souvent. Oui. On parle au moins une centaine de voitures, si ce n'est pas plus, mais on va essayer de mettre le... Mais on veut... Tu sais, il faut faire attention, il faut garder de la place. Mais ça donnerait une belle visibilité. C'est sûr que si... Ouais. T'as une centaine de véhicules à l'extérieur du Colisée, tu fais « wow », puis là, t'arrives au Colisée, puis tu rentres en dedans, puis là, t'as d'autres collectionneurs. Mais c'est pour ça qu'on touche vraiment à plein d'univers. Ça peut devenir assez gros, là. Ben oui, c'est quelque chose qui va probablement devenir unique à Saint-Jean. Oui, puis il faut que ça devienne un incontournable, c'est le but, c'est vraiment le but. Le samedi, dimanche, 14-15 mai, 10 à 17 heures, Colisée Isabelle Brasseur. Il reste encore la moitié des kiosques de disponibles. Quelqu'un qui va sur www.jabsshow.com, qu'est-ce qu'on voit sur le site web? Bien, en fait, là, c'est un annexe sur notre page Facebook. Okay. C'est une alliance qui t'amène à la page Facebook. Oui, parce que là, c'est plus le facteur temps, mais il y a un site Internet qui va venir éventuellement, c'est sûr. Première édition du Salon du collectionneur à Saint-Jean avec toutes sortes de collections possibles et impossibles. À vous deux, merci beaucoup. On vous souhaite la meilleure des chances. C'est un beau projet. Puis en même temps, c'est générateur de retombées. Je veux dire, ça attire du monde dans la région. C'est vraiment génial. Exactement. Tout à fait. Félicitations. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. On vous rappelle qu'il y a un nouveau guide horaire disponible pour les utilisateurs du transport en commun dans la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, sjsr.ca/autobus pour obtenir tous les détails. À chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. À chaque dimanche matin, c'est le télébingo avec 3 500 $ en prix, carte pleine à 2 000 $, 30 dépositaires pour acheter les livrets pour avoir la liste tvhr9.com. Et puis, entre-temps, si vous désirez me contacter, faites-le personnellement et directement et rapidement par courriel. Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.